Bienvenue sur le podcast « Je viens t'adorer ». Bienvenue sur la plateforme de « Dieu parle aujourd'hui » et le podcast « Je viens t'adorer ». Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous accorde les paroles qu'il faut. Que le Saint-Esprit nous inspire à parler les mots qu'il veut que son peuple puisse écouter. Que le Saint-Esprit puisse toucher les âmes qui ont besoin d'entendre cette parole, cette nourriture, afin d'être sauvées, afin d'être délivrées, afin d'être déliées des chaînes de l'ennemi, le diable, qui est tout le temps en train de poursuivre les enfants de Dieu. Nous le faisons pour ta gloire, nous le faisons afin que tous ceux pour qui Jésus-Christ est mort soient justifiés aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Un être appelé un temple du Saint-Esprit qui est basé sur le principe divin ». Ça semble être un long titre, mais le thème est assez court. Un être appelé un temple du Saint-Esprit, qui est basé sur le principe divin ou le principe de Dieu. Et nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'un principe. Le principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose, qui en est la cause première. Et un exemple serait le principe de la pensée humaine, l'origine de la pensée humaine, la source de la pensée humaine. Donc, ce mot principe exprime un commencement, un fondement, un germe, une origine, un point de départ, une source. Un principe est aussi la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit le fonctionnement. Le classement est établi dans le bureau sur le principe de l'ordre alphabétique, par exemple. Et donc, en un mot, le principe est un élément de base qui doit être respecté afin d'obtenir une solution ou une réponse positive. Oui. Dieu demande aujourd'hui que ses créatures reviennent au respect de ses principes. Car le diable a ouvert son livre à lui, des principes nocturnes, dans le but de perturber et de détruire les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, dans la chose qui nous regroupe dans les églises est la parole de Dieu, et cette parole est basée sur la vérité, et dont elle a pour source, ou encore principe, la vérité. Et cette vérité n'est autre que lui-même, le Christ. Jésus-Christ est la parole manifestée et il est lui-même la vérité qui est le principe de sa parole. Cela veut dire quoi? Que toutes les paroles que vous écoutez sur la terre, si elles ne sont pas basées sur le principe de la vérité qui est Jésus-Christ, alors vous ne devrez pas les accepter. Et vous devrez vider les lieux où on vous regroupe en vain. Car ces lieux ou ces cadres ne sont pas des temples de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, l'homme qui est un temple saint, selon Dieu, doit être habité par le Saint-Esprit. Alors, si tu confesses que tu es un temple, mais si tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit, cela veut tout simplement dire que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Tu es alors une caverne de mauvais esprits ou un dépotoir de démons. En vérité, comme l'avait dit le Fils de l'homme, une personne qui se proclame temple du Saint-Esprit et qui ne manifeste pas les fruits de cet Esprit Saint
n'est pas son allié. Il est en opposition au Saint-Esprit. Et cette dernière ne marche pas selon le principe de la parole vivante qui est la vérité et qui n'est d'autre, encore une fois, que Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Et ce verset dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu es un temple de Dieu. Dieu ne réside pas dans les églises bâties à main d'homme. Non. Au contraire, Dieu réside dans le corps qu'il a façonné. Et si toi, tu détruis ton propre corps par ta mauvaise façon de marcher, que dirons-nous de toi? Dieu dit, l'homme que j'ai établi temple doit me célébrer dans mon temple, car je réside dans le vrai temple qui est le corps humain que moi-même, le Créateur, j'ai façonné. À mon image, il nous a façonné à son image. Alors nous devons être saints comme lui, il est saint. Apocalypse chapitre 21, verset 22, je lis. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La continuation de la mission de Jésus-Christ, qui devait être faite par des vrais appelés, oui, les vrais appelés, elle est aujourd'hui saquée par les non-appelés. Oui, il y a des non-appelés, il y a des gens qui ne sont pas appelés du tout, qui se sont appelés eux-mêmes. Et ces derniers enseignent et prêchent des paroles mielleuses, des paroles flatteuses, bonnes à écouter, mais des paroles que le Christ n'a pas dit. Le Christ, le Saint-Esprit n'a pas inspiré. Et elles n'ont aucun principe de la vérité, c'est-à-dire elles ne sont pas basées sur le Christ. Voyez comment sont bâties aujourd'hui des églises, beaucoup d'églises. Et surtout, regardez et observez souvent les choses qui sont à l'intérieur de ces églises, okay, de peur que vous ne participiez au culte des initiés du diable. Oui, nous le disons tout haut, des initiés du diable qui se font passer pour des hommes de Dieu. C'est pas choquant de nos jours. Ce n'est plus choquant, non. Et dans ces églises, le peuple de Dieu respecte beaucoup plus les principes de cette église et non les principes de Jésus-Christ. C'est choquant. Vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, déshabiller la femme d'autrui, une femme mariée qui n'est pas sa femme, il la déshabille. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est un principe de Dieu? Est-ce que c'est un principe divin ça? Est-ce que Jésus-Christ a recommandé cela? Jamais. Et cela fait qu'il n'y a plus la manifestation du Saint-Esprit au sein de beaucoup d'églises. Pour ne pas dire au sein de l'église, parce que voilà, vous devez différencier une vraie église d'une fausse. Et c'est pour cette raison que vous voyez une personne qui a la nature d'un serpent. Oui, cette personne a une nature de serpent qui va vous dire qu'elle chasse un serpent qu'elle a vu dans le corps de son prochain. Elle-même est serpent, elle veut chasser un serpent. Est-ce que le diable peut chasser le diable? Non. C'est une confusion. C'est toute une profonde confusion. Et vous-même, essayez de réfléchir sur cela.
Lisons maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Oui. Nous allons maintenant définir ce verset, décortiquer ce verset. Qu'est-ce qu'une proie ? Une proie est un individu qui est devenu une nourriture. Qu'est-ce que la philosophie ? Mais la philosophie, c'est une manière de penser, une manière de parler. Qu'est-ce que la tromperie ? La tromperie n'est rien que le mensonge. Qu'est-ce que la traduction des hommes ? La logique des hommes. Les rudiments du monde, ce sont des notions ou des connaissances qui sont basées sur les principes du monde et non de Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 23, nous lisons « Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et encore dans 1 Jean, chapitre 4, versets 2 à 3, je lis « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde, opère déjà dans le monde. Et qu'est-ce que la définition de l'Antéchrist ? Mais c'est un esprit du diable, l'esprit de Satan. Et Satan veut simplement dire adversaire, qui vient s'incarner dans des corps opaques, des corps que la lumière de Dieu ne pénètre pas, parce que les gens se sont tellement endurcis, ils préfèrent le monde à Dieu. Ils se sont incarnés dans des corps opaques qui dégagent une sombreté de rejet de la parole de Dieu. Ils sont dans les ténèbres et beaucoup ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans les ténèbres. Il y a des pasteurs qui sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas, ils ne sont pas avec Dieu. Ils pensent qu'ils parlent de Dieu, ils sont dans le Seigneur, mais ils ne le sont pas. Et quand une personne est incarnée de cet esprit, cette dernière devient ennemie du Christ. Et elle prêche et établit une religion qui est hostile au Christ, qui est contraire au Christ. C'est ça, l'esprit de l'Antéchrist. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants en ces derniers temps. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Oui, l'ennemi de ton âme est à la recherche des proies. Ne sois plus une proie pour le diable,
Pourquoi? Parce que tu as un berger. Il y a le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Pourquoi tu dois être une proie? Pourquoi le diable doit te dévorer? Tu as un berger. Et le bon berger, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Demeure dans son amour. Demeure dans ses lois. Demeure dans ses principes. Et le diable ne te dévorera jamais. Shalom et à la prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons passer à la prière avec le prophète Jean-Pierre Coupé-Pouka. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous allons à présent rentrer dans la deuxième partie de cette célébration qui est la prière. On venait de suivre un message fort et puissant, un message prophétique qui a été prêché, qui nous a été prêché par la servante de Dieu, maman Nina. À présent, je vais prier pour ouvrir cette partie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que le ciel de l'exaucement soit ouvert, que le ciel de la puissance de Dieu soit ouvert, que le ciel de la suprématie du Christ soit ouvert, que le ciel de l'autorité du Christ soit ouvert maintenant, que nous allons prier qu'il est la manifestation de la puissance de Dieu sous la forme d'un vent impétueux. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème a été très fort de cet après-midi. Un être appelé Temple du Saint-Esprit est basé sur le principe divin. Nous allons prendre le premier sujet, bien sûr qu'en respectant le message qui a été prêché. Nous allons demander tous ensemble que l'Éternel fasse de nous un temple qui est basé sous le principe divin, au nom puissant de Jésus. Père, mon Dieu tout-puissant, j'élève ma main et je proclame que je suis un temple qui est basé sous le principe divin, que ce peuple est un temple qui est basé sous le principe divin, au nom puissant de Jésus éternel. Enlève en nous toutes les choses qui nous empêchent d'être un temple qui est basé sur le principe divin. Enlève en nous, Seigneur Jésus, toutes les œuvres du monde des ténèbres. Enlève en nous, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui fait, mon Dieu, mon roi, qui bloque, qui nous empêche, mon Dieu tout-puissant, de devenir un temple divin qui est basé sur le principe, mon Dieu, mon roi divin. Un temple, Yahvé, notre Dieu, là où habite le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, ne savez-vous pas que vous êtes des temples et que le Saint-Esprit habite en vous? Éternel Dieu Tout-Puissant, fais de moi un temple là où doit habiter le Saint-Esprit. Fais de moi un temple divin. Fais de ce peuple un temple divin. Au nom de Jésus, fais de moi un temple divin. Au nom de Jésus, fais de moi un temple, une habitation du Saint-Esprit, là où habite le Saint-Esprit, là où habite la puissance du Saint-Esprit, là où habite le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que tout le peuple reçoive, mon Dieu, roi, cette dimension aujourd'hui de devenir un temple qui est basé sur le principe divin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les œuvres mortes
qui bloque, mon Dieu, mon roi, aux chrétiens de devenir un temple divin, soit arraché, soit ôté au nom de Jésus. Que tout le comportement qui empêche en nous que nous puissions devenir un temple divin soit éradiqué, soit effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, agis maintenant. Agis dans chaque corps. Agis en nous. Agis éternel, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre. Que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre en nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, je confesse avec la puissance du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus, que nous sommes devenus un temple divin, un temple où habite le Saint-Esprit, ce temple qui est basé sur le principe divin. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temple de Dieu, il y a le souffle de vie. Au nom de Jésus, quand tu as appelé un temple, qui est une habitation du Saint-Esprit, dans ce temple, la mort n'a plus le pouvoir. Les maladies n'ont plus le pouvoir dans ce temple. Dans ce temple que tu es, il y a la divinité. Amen. Il y a la divinité de Jésus. Il y a la divinité de Jésus. Il y a sa présence. Il y a les empreintes de Jésus dans ce temple. Il y a sa présence. Il est présent dans ce temple-là. Dans ce temple que tu es, il y a le règne de Jésus. Dans ce temple que tu es, Jésus règne. Il y a l'autorité du Christ dans ce temple. Il y a son empreinte. Il y a sa présence. Il y a son esprit. Il y a sa puissance. Il y a l'absence de la maladie. Il y a l'absence de la mort. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer alors, si le diable avait fait de ton corps comme une caverne de maladie, comme un dépotoir des mauvais esprits, je dis bien, comme un lieu où il venait faire ses entraînements, le diable, avec ses agents, où il venait travailler. Ton corps était devenu comme un champ, au lieu qu'il soit un temple. Dieu a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples et que le Saint-Esprit habite en vous? Aujourd'hui, que tous ceux qui ont transformé ton corps comme un temple maudit, qui ont transporté ton corps, qui ont transformé ton corps comme un lieu, comme un dépotoir, qui ont transformé ton corps comme une salle de réunion, des sorciers, des magiciens, où les gens viennent se réunir, car il y a des corps de gens qui sont comme des habitations de démons. Nous allons détruire toute œuvre de Satan dans ce temple que vous êtes, parce qu'ils n'ont pas reçu la permission. Votre vie est une évidence. Vous avez reçu le pouvoir de vivre cette terre parce que Jésus est passé à la croix pour vous. Et vous avez le droit d'habiter la terre. Nous allons confesser au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre temple, ce que le Père n'a pas semé, sera arraché, sera ôté. Tu es un temple, ma soeur, mon frère. Mais on a fait de toi comme un champ où les maris de nuit viennent pour se ressourcer. Aujourd'hui, tu es devenue une femme des maris de nuit. Au lieu d'être une femme d'un homme quelconque dans le jour, pendant les jours, dans le monde physique, mais tu l'es dans le monde spirituel. Tu es une femme de nuit, tu es un mari de nuit. On a fait de toi comme un champ de bataille, des maris de nuit et des femmes de nuit. Nous allons le détruire au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je confesse en ces jours que les corps des enfants de Dieu qui ont été transformés en champ de bataille, et avec notre Dieu, en champ d'exercice de démons et de sorciers, en lieu, mon Dieu, mon roi,
comme des cavernes de voleurs, comme des cavernes de maladies, comme des cavernes, mon Dieu, mon roi, comme un dépotoir des esprits, au nom puissant de Jésus, que les maladies sortent de ces temples. De la même façon que Jésus a renversé les tables, je renverse les tables où les tables qu'on a placées dans vos corps, qui est le temple de Dieu. Je renverse les tables de sacrifice, les tables où on vend tout, au nom de Jésus. Je renverse et je mets dehors tous ceux qui ont occupé ce temple que tu es, les maladies qui occupent ce temple, au nom de Jésus, je le déloge, au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent, que les maladies quittent ton temple, quitte le corps qui est proclamé comme le temple, au nom de Jésus, je déclare maintenant que tous les démons et les esprits et les géants disparaissent, prennent la fuite, qu'ils sortent au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer que ton corps aujourd'hui soit lavé, soit nettoyé par le sang de Jésus, afin qu'il devienne un véritable temple. Au nom puissant de Jésus, là où tu es, pendant que tu vas suivre ce message, sois délivré au nom de Jésus, partout où on t'avait placé. Un temple ne peut pas être emprisonné, un temple ne peut pas être enterré, un temple ne peut pas être maudit. Un temple ne peut pas vivre la misère et la souffrance au nom de Jésus. Dans le temple, il ne doit pas exister la sorcellerie. Dans le temple, il ne doit pas exister la magie. Le temple que tu es, c'est un temple béni au nom de Jésus. Et que toutes les œuvres mortes du diable Satan et de ses agents dans ton corps, au nom de Jésus, soient détruites, détruites, les œuvres soient détruites. Et toute sa force soit détruite, soit éradiquée au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je proclame maintenant la lumière. Je fais rentrer la lumière dans ton temple. Que son temple que tu es soit éclairé par le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dernier sujet, je vais prier encore pour vous. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu es un temple. Je disais, dans ce temple-là, il y a la présence de Jésus lui-même. Parce que le temple que tu es a pour maître Jésus. Le temple que tu es a pour souverain sacrificateur Jésus. Ce temple que tu es est dirigé par un seul maître au nom de Jésus. Alors, s'il y a des maîtres qui ont condamné ta vie, s'il y a des maîtres qui t'ont soumis à la souffrance, s'il y a des maîtres qui ont condamné ta vie. Bien-aimés, on se proclame, nous nous proclamons, nous disons que nous sommes des temples du Saint-Esprit, là où habite le Saint-Esprit, je vous en prie, là où habite le Saint-Esprit, il y a la discipline, là où habite le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Amen. Je parle de l'ordre dans le sens où les mauvais esprits doivent connaître, doivent savoir que ce temple n'a pas été créé pour eux. Alléluia. Ce sont des clandestins. Ils ne doivent pas vivre dans le temple. Ils doivent vivre loin de ce temple. Le temple doit être habité par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit habiter le temple. Alors s'il y a d'autres esprits, esprits d'envoûtement, esprits de possession, que ces esprits sortent au nom de Jésus. S'il y a des totems dans le corps qui animent les enfants de Dieu, que les totems disparaissent parce que dans ce temple, un totem ne doit pas y habiter au nom de Jésus, quelle que soit la nature de ce totem, que ce soit un serpent. Le serpent n'a pas le pouvoir d'habiter un temple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit cet animal, il n'a pas le droit d'habiter le temple au nom de Jésus. Le corps d'un enfant de Dieu doit être basé sur le principe divin au nom de Jésus. Et celui qui incarne toute la divinité, c'est Jésus lui-même. Il est assis sur le fauteuil, sur son trône, dans ce temple. Alors je déclare, en tant que prophète de l'Éternel, aujourd'hui, que tous les reptiles qui habitaient le temple, qui est le corps des enfants de Dieu, disparaissent au nom de Jésus. Je mets dehors tout l'héritage du diable. Je mets dehors
tous les animaux féroces qui animent les enfants de Dieu, qui menacent les enfants de Dieu, les serpents qui rongent les corps des enfants de Dieu, qui est appelé un temple au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prends l'épée pour commencer à détruire. Je détruis maintenant tous les serpents qui ont habité le temple, qui est le temple des enfants de Dieu. Je déchire leur ventre. J'ouvre au nom de Jésus. Comme au nom de Jésus, comme on fait à l'hôpital, et je fais sortir maintenant, je suis en train de faire sortir tous les reptiles, que tous les esprits, et mon Dieu, mon roi, que tous les animaux sortent au nom de Jésus. J'arrache de votre corps le serpent qui dérange votre vie, le serpent qui attaque votre ventre, le serpent qui attaque votre vie. Que ce serpent soit éradiqué. Je l'arrache de votre corps parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'arrache ce corps au nom de Jésus. Tout esprit, tout démon qui a été enfoui dans ton corps, je les arrache de ce temple. Ils n'ont pas reçu le droit d'habiter ce temple. Au nom tout-puissant de Jésus. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la lumière du salut. Reçois la guérison immédiatement. Que les maladies qui ne finissent pas dans ton corps, le concorde aujourd'hui est le temple. Confesse avec moi, je suis le temple de Dieu. En moi doit habiter le Saint-Esprit. Alors toi, esprit de maladie, quel que soit ton nom, tu as écouté ta voix. Maintenant, tu dois libérer ce corps. Libère ce corps qui n'est pas à toi, mais ce corps et le temple doit habiter là où doit habiter le Saint-Esprit. Et je t'ordonne de libérer maintenant au nom de Jésus. Allez, sors de ma vie, par la puissance du nom de Jésus. Père éternel, bénis ce peuple qui va écouter ce message. Ce peuple qui va rentrer dans cette prière. Ce peuple qui va vivre les mystères de Dieu. Éternel, que ta main localise chaque personne. Au nom de Jésus, soyez des femmes et des hommes spirituels. Soyez consacrés. Que l'Éternel vous reconsacre. Il reconsacre votre temple. Qu'il mette dans le temple ce qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Votre vie est précieuse. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu est précieux dans votre vie. Que votre vie soit précieuse. Que votre nom soit précieux. Au nom de Jésus. Oh, je le confesse. Je vois la gloire de Dieu descendre sous tout un chacun. Sous la forme de la colonne de nuée, au nom de Jésus, cette gloire est en train de descendre. Au nom de Jésus, cette gloire est en train de descendre. Au nom de Jésus, cette gloire est en train de descendre. Au nom de Jésus, je vois la main de Dieu qui est en train de rétablir les corps qui ont été détruits, le corps qui ont été détruits par le diable. Au nom de Jésus, les temples sont en train d'être rétablis, rebâtis. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toi qui as un enfant malade, reçois le rebâtissement de cet enfant. Reçois. La main de Dieu est en train de reconstruire ton fils. La main de Dieu est en train de reconstruire ton corps. La main de Dieu est en train de reconstruire tout ce qui a été détruit. La main de Dieu est en train de rebâtir tout ce qui a été détruit. La main de Dieu est en train de rétablir le corps que tu es, le corps divin. Que le temple de Dieu, que l'Éternel bénisse, qu'il vous comble. Que l'Éternel tourne sa face envers vous et qu'il vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, je proclame ces oracles. Amen.